Alors, hop, me revoilà dans le game. Alors, j'ai réussi à emprunter un micro-casque à un collègue. Non, oh putain, mais non, mais fils de putain, merde! Quel connard, ce con-là! Voilà pourquoi je vais pouvoir profiter de cette manigance. Alors, je suis en train de manger, bien évidemment. Quelque chose d'assez dégueulasse. Des nouilles? Mais je sais pas ce qu'on aura mis dedans, mais... Il y a un goût bizarre. Le pire, c'est le jambon, mais... Ce sera en deuxième saveur, il est au fond. Ça donne ses grosses saveurs. Tout c'est molle, c'est grosse labeur. Le pétrole, c'est gros dollar. Les putnecs, c'est... Alors, une petite vidéo test de Red Faction Guerrilla, qui est sortie, je ne sais pas en quelle date. Je me souviens plus. À la rigueur, on s'en fout. En fait, c'est la suite de la suite de Red Faction... le 1. Red Faction 1 sorti en 2001, sur lequel je m'étais pas mal éclaté, mais je me souviens plus si je l'avais terminé. Le 2, je l'ai réinstallé aussi, j'ai tout installé en fait, parce que j'ai racheté la totale. Mais le 2, j'ai pas joué, donc je me suis dit, tiens, je vais tester Red Faction Guerrilla, qui a été téléchargé en premier, et il est plutôt bien. Alors, je sais pas si je vais laguer, je vais faire un test, puis on verra. Alors, charger... Alors par contre, je vais couper pendant le chargement parce que hier j'ai fait un test, mais ça a mis des heures et des heures. Donc on va laisser... Voilà, c'est parti. Oh, je coupe. Alors dans un premier temps, je vais te montrer à quel point je suis nul. Il y a plusieurs planques en fait. La façon dont c'est foutu, c'est un peu comme dans un GTA, tu vois, mais sur Mars. T'as plusieurs quartiers. Là je suis dans rien, ah, ça lag un peu, c'est pour ça. Là on les voit pas tous parce qu'ils sont pas encore développés, mais... Ouah, ça rappe. Oh putain. Donc celui-là je l'ai débloqué, donc j'ai viré le DF. Non pas l'équipe de France. Mais la Earth Defense Force. Qui dans les éditions précédentes des jeux était des alliés, là ils sont devenus des méchants, en gros. Il règne de manière assez totalitaire sur Mars. Et les mineurs. Faut faire attention, on a des chronesses déterminées. Donc dédicace à ceux qui se défoncent à la corona sur des terrains minés. Sont de pauvres gens. Parce qu'il y a que des mineurs là-bas. Moi j'étais censé être un mineur, puis j'ai été... Merde, attends, faudrait peut-être que je prenne une bagnole pour me déplacer, ça va être plus rapide. Vu ce genre de 4x4, brah, l'américaine. Ils m'ont récupéré en fait à la Red Faction pour que je mène la guérilla avec eux, quoi. Alors on va se guider sur la mission que je foire à chaque fois. Allez, viens s'il te plaît. Je sens que ça va être une partie de plaisir, je sais pas pourquoi. Tu vois ce petit point là, tu vois, tu peux cibler, c'est comme dans GTA, tu vois, tu peux cibler, enfin dans d'autres jeux peut-être aussi. Tu vois, alors tu peux faire différentes actions selon les icônes. Donc là, obtenez les ordres. Merde, c'était pas ça. Je sais plus en fait quelle était la mission. Ah, aider, c'est celui-là, je crois. Prendre d'assaut. Je sais même pas en fait si c'est le bon parce que la dernière fois, j'avais pas enregistré ma partie. Et du coup, bah ça se trouve, j'avais foiré mon truc. Alors ça se trouve, il m'a enregistré ça comme si je l'avais foiré. Donc on va essayer d'y retourner. Du coup, on perd un peu de temps. Donc comme tu vois, je peux me déplacer de manière assez facile. Par contre, je pense que ça vient de mon ordi, mais alors, c'est pas très réactif. Hein. Quand je tourne, tu vois, il y a peut-être une demi-seconde où... Et la voiture réagit. Alors là, c'est des checkpoints de l'EDF, alors c'est chiant parce que... Ces connards se mettent au milieu de la route, si tu les écrases, bah, forcément ils tirent dessus. C'est pas ils tirent dessus pour rien, tu vois, les mecs. Ils sont assez sensibles, assez nerveux de la gâchette. Oh putain, tu vois, mais je suis mauvais. Oh là là, non mais, c'est de la merde. Ah, c'est mon ordi qui est de la merde, d'ailleurs. Des fois t'entends des tic 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 tic, alors c'est pas si tire dessus. Tu vois les mecs sont là à gauche là, les méchants. Et encore un checkpoint. Oh putain. J'ai cherché où il y avait un klaxon mais j'ai pas trouvé. Klaxon toi la berbe. Voilà, putain mais c'est long quoi, c'est le périphérique ici. Voilà. La route est longue, comme ma bite dans le truc de ta meuf. Alors des fois t'as des messages là de cette meuf. Je propose d'intercepter un des courriers, donc c'est des camions. Mais putain, j'arrive jamais à les intercepter. 90 km/h, limitation de vitesse.
Donc là, je vais rejoindre un con ou une connasse qui va me dire ce qu'il faut que je fasse. Une mais connasse. Son, on va détruire un ouais, ta gueule. Près de la Terra Fosse Kuroari. Vous pouvez nous donner un coup de main ? Je crois que c'était pas ça. Ah si, c'est ça. Voilà, je prends un putain de camion pour faire le job, quoi. Ah putain, viens avec moi. Ah, tu vois, c'est là que ça se passe. Oh les mecs. Tu vois, ils sont 28, on est 7, hein. Donc déjà, c'est un peu inéquitable. Donc là, c'est là que j'ai montré que je suis mauvais. Je vais essayer un truc pas mal. Faudrait que la conne vienne avec moi. Putain, monte là-dedans, toi, salope. Putain, c'est une guerre, mon dieu. Mais monte là-dedans, putain. C'est pas une putain. Regarde là. Mais je crois qu'elle vit très mal, c'est ça le problème. J'ai plus vite fait de faire mon taf comme ça. Hop là, mon pote. Ah putain, puis là, j'avais pas vu. Oh, dégage. Voilà, ça c'est fait. Je fais le taf, ma gueule. Bon, il y a un autre endroit où je devrais aller. Et je pense que je vais y aller vraiment à l'ancienne cette fois-ci, parce qu'il y en a marre. Et quand il y en a marre, il y a mal à la barre. C'est quoi ce flingue? Merde, putain. Oh là là, oh je vais perdre, oh je vais perdre, oh putain. Oh, je vais me faire défoncer ma gueule. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Oh, je suis mauvais. Mon Dieu Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Je sais pas ce que c'est que ce flingue, j'avais pas ça la première fois. Excuse-moi. Assez curieux. Génial, il y a plus personne. Les amateurs de drapeaux. Les refoulures de drapeaux. On va faire différemment. Putain! Non, je vais mourir! Non, je vais mourir! Oh putain! Oh la vache! Oh non, je suis mort! Il est con! Je vais quand même te montrer le chemin que j'emprunte. Bon, là, j'ai réussi un véhicule plus sympa. Le problème, c'est que là, je vais passer par les checkpoints. Et ce con qui est au-dessus tire automatiquement sur les patrouilles de l'EDF! Ça a plus que camion. Ouh! Bon. Allez, on dégage. Ça, c'est un peu le Humvee de l'armée américaine. Putain, c'est que je perds un temps fou à chaque fois dans les embouteillages. Je fais ce que je peux, hein. Wouah, mais qu'est-ce que je dirige mal ce truc. C'est même pas que je lag à cause de Fraps, c'est juste que je lag de manière générale. Joignez sur Radio Trafic FM. Même sans Fraps, sur votre info trafic à 19h passé. Alors là, regarde, là, oh, j'ai échappé belle. Ah bah, il s'est dirigé pour tirer dessus ce con. Pas dégage. Voilà. Donc je retourne sur le lieu du crime. Allez, vas-y, balance là. Moi, je fais du fou là. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Je sais pas ce que je fous, c'est n'importe quoi. Pourquoi tous les points rouges, il est sorti du plafond. Oh là le bordel, oh là là, mais je suis coincé à mort. Hop, y'a la bagnole, elle va péter. Il faut que je me sorte de là. Oh merde. Oh merde, sors de là mon pote. Ouais, okay, à trop. Désolé mais... Ah mais je crois qu'elle a explosé et je suis... mort. Putain, là, mais quel mauvais stratégiquement, tu vois. C'est-à-dire que je vais prendre une arme et puis je vais y aller, quoi. Alors. Et j'ai un flingue de merde, j'avais un truc plus mitrailleur la dernière fois, j'avais beaucoup mieux, puis là, je sais pas ce que j'ai. Putain, c'est quoi ce flingue à la con? Eh ben, mon pote, pas possible, mais c'est quoi? Ça c'est déjà c'est mieux. Putain mais je sais pas ce que j'ai récupéré comme flingue mais c'est une de haut bas. Oh putain que j'en ai marre. Voilà, ça c'est bien ça. Recharger. Donc là ils sont 25.
Nous sommes 10. Bon, c'est une grosse merde. Faut que j'évite de foncer là-dedans parce qu'il y a des types en fait. Lui il est déjà crevé. Mort. Voilà, ça il est mort aussi. Voilà. J'essaie de me les faire comme je peux hein. Mais putain j'en chie. Oh la vache. Voilà. Ça, ça va me servir de protection. Ah non, j'aimerais bien changer d'arme en fait. Ah ouais, si, Tu vois, ça c'est beaucoup mieux. Mais bon, le problème c'est que j'ai pas de munitions du tout avec cette merde. Oh la vache, putain, mais quel monde d'abruti cela. Ah, j'essaie de me le faire là, mais... Le problème c'est que j'ai zéro munitions. Oh, je l'ai eu. Oh là là là, le mec. Alors ce qui est bien c'est que ça c'est juste devant l'équipe. Alors je recharge, je sais pas comment, je fais ça, puis hop c'est bon. Je suis rechargé, voilà. Et là on va tenter un truc mon pote, mais alors, truc de malade. Oh je suis mort, merde. Putain, je tentais un truc de fou là. Putain, mais je suis nul. Oh, et on se la refait hein. Ah, les mecs, ils sont du face to face quoi. Eh, je suis bien placé hein. C'est ça un peu. Bon, faudrait peut-être que je sorte de la voiture quand même. Je suis qu'un thug, ouais. Tu fais ça, tu m'es cher, tu sais où me trouver. Ah, il peut pas. Ah, mais c'est bien ça. Le mec est coincé. Ah, j'ai de nouveau cette arme de merde. Ah non, c'est bon, c'est là-bas, celle. Je sais pas où sont les ennemis. Ah, il y en a deux là-haut. Putain. C'est flingué ceux qui sont par là. Si je pouvais passer par cette situation. Oh là là, et regarde l'angle de vue. De fou sur le rocher. Regarde-moi ça, lui quand je te le snipe. Il se prend des ballos par la face. Ah j'ai une balle. Ah merde. Oh headshot. J'aimerais bien retourner à la barbare, mais je sens que c'est un peu risqué. Si je fais shit, il fait quoi? Ah, il se cache. Bien ouais, mon pote. Oh là, mais qu'est-ce que tu fais, là? Et il va. Je recharge en pleine course. Je fais le dos. Je monte dans la bagnole. Je vais tout droit. Ah, je me suis planté. Retourne dans la voiture mon pote. Ah je peux plus. Ils sont montés dedans. Oh les cons. Oh la vache putain, je suis baisé. Oh là là, la fuite. La fuite. La fuite putain, la fuite. Ah oh, putain les mecs. Vous m'avez lâchement abandonné bande d'enfoirés. Oh les connards. Là je me reprends une balle, je suis mort. J'ai fait le plein. Non j'ai pas fait le plein. Vite. Je peux peut-être y retourner à l'arrache hein. Ouais vas-y fais le plein, voilà c'est bien. Le pacificateur. C'est lesquels qui appellent des bagnoles, c'est eux? Oh c'est eux. Oh putain, je suis dans la merde.
Après les mecs ils sont revenus prendre la voiture. Oh le monde qu'il y a là-dedans. Oh la vache. J'ai bien arrivé. Oh j'ai réussi. Oh j'ai réussi. Escroc. 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 Oh mon dieu j'ai réussi à faire effondrer l'immeuble. Oh la vache. Alors je sais pas si la mission... Oh là là j'ai terminé la mission, faut pas que je décède. Normalement ça va s'arrêter. Non, non ça ne s'arrête plus. Mais j'ai réussi putain. Dégagez. La mission est terminée. Maintenant faut juste que je me casse. Non c'est pas bon. Bon j'ai dû changer de... J'ai dû changer de véhicule en cours de route parce que... Au checkpoint ils m'ont allumé les mecs. Je suis sorti du véhicule et POM ! Il a explosé. Non mais je crois que j'ai réussi hein. Je suis pas bien sûr mais... Youpla ! Ouah, planque de dust. Bon bah voilà en gros je t'ai montré... Je sais pas comment j'ai réussi à... La mission c'est un peu... Un peu absurde. J'en ai marre de me faire bousculer. Mais non mais ça... Ça a l'air de... Ça a l'air de... Un convoi de l'EDF vient de sortir des os. On a quelqu'un en patrouille. Et de là, je peux avoir des nouvelles armes, mais bon, en fait, tu dois récupérer du métal dans les différentes structures de l'EDF, donc l'armée de défense, là. Tu récupères du métal, et c'est avec ça que tu peux te faire des armes à l'ancienne. Voilà, des trucs sympas. Lance-roquette. Putain, c'est ça que j'avais besoin, mais j'ai pas assez de métal, tu vois. Ah, lance-roquette, j'aurais été bon. Voilà, bah écoute, hein, on va dire que c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal. Je suis pas mal sorti. Salut les paps. Dopé, j'ai couru, mis des coups de massue dans la rue. Je m'en sers d'avoir un peu d'azur. De la mer dans la tête, de la mer à la terre. Libérez-moi, j'en ai mal à la tête. Terriblement défoncé, j'ai défoncé des tons que je fais à la terre défoncée. Loin de ma ville et de ses français. Je suis loin d'être habile, mais je sais penser. Penser ma peau pour la cicatriser. C'est comme disait un dos pour réaliser. Que ma meuf a des lots à faire baliser. Rien à les avoir réalisé. Je veux tout, je veux toi, je veux tourner la page. Je veux tourner ton bout pour me scier la dalle. C'est un malade et de tuer à ta chaîne, c'est à la...